L'attente est longue, trop longue au goût des 16 salariés délégués du personnel et représentants syndicaux de l'entreprise MAM Imprimeur. Depuis le 13 août, jour de leur licenciement, ils attendent toujours leur indemnité. Ce matin, ils étaient réunis devant la porte du mandataire judiciaire. Nous sommes rentrés et nous avons été reçus par Maître Villa. Donc il nous a accusés de violation de domicile, alors que comme vous avez peut-être pu le constater, nous sommes rentrés par la porte en sonnant et sans heurts ni violence. Et notre question est: quand aurons-nous des chèques ? Valérie, comme tous les autres salariés, est amère de la tournure prise par les événements. 20 ans d'ancienneté pour elle et une situation financière due au retard de paiement des indemnités de licenciement qui devenait... Elle est catastrophique. Heureusement que j'avais un peu d'argent de côté et que j'ai pu combler le trou, mais bon, il ne faudrait pas que ça dure non plus encore quelques semaines. Aujourd'hui, sur les 126 salariés du groupe MAM Imprimeur, seuls 26 ont été repris par un relieur du Maine-et-Loire et implantés à Chambray-les-Tours.